il commence à se faire tard et j'ai vraiment envie de rentrer. La tristesse. C'est pas vous, mais vraiment, défaire le sapin, c'est un des moments les plus tristes dans l'année pour moi. Je déteste ça. Ça sent le mec qui veut essayer de faire bien au début de l'année, hein, mais qui est pas méga, méga motivé non plus. Je compte sur vous pour essayer de continuer à me motiver sur cette voie-là. Parce que j'essaye, mais... la tentation n'est pas loin. Juste avant de sortir cet après-midi, il y a un truc que je vous ai pas dit par rapport à 2017 que j'aimerais bien, un peu un objectif. C'est tout simplement un tweet ce matin du YouTube Space Paris qui font des ateliers seulement pour pouvoir y accéder. Des conseils et qui aident à faire progresser sa chaîne ou tout simplement... des conseils sur la réalisation de vidéos, il faut avoir 1000 abonnés. Donc voilà, en fait, en 2017, alors il y a encore 600 abonnés, hein, je m'enflamme pas, il y a encore du chemin. Mais voilà, j'aimerais en 2017 pouvoir atteindre ce seuil des 1000 abonnés, déjà tout simplement parce que c'est un beau chiffre, 1000 abonnés, ça me ferait déjà méga plaisir. Et surtout, pouvoir aller au YouTube Space Paris et pouvoir bénéficier de ces ateliers, en fait. Déjà, rien que découvrir l'endroit, ça, on peut y aller sans nombre d'abonnés, il y a pas de problème, mais aller au YouTube Space Paris juste pour aller voir l'endroit, ça fait un peu cher la journée. C'est encore avoir des conseils des gens de YouTube, rencontrer plein d'autres YouTubeurs, tout ça. Enfin, ce serait vraiment un bel accomplissement pour 2017 d'atteindre au moins ce seuil des 1000 abonnés. J'aimerais bien. Alors, ça fait très longtemps que je voulais reparler sur ce bout de route que je faisais souvent avec l'ancienne caméra sans micro. J'espère que là, c'est vraiment un peu le test ultime. J'espère que le micro est opérationnel. Sinon, cet après-midi, alors je vais pas très loin, mais il est déjà 14h25. Donc, Aurélien et Romain, je serai un peu en retard, je suis désolé. Aurélien tourne une vidéo avec Romain chez Romain. Et moi, je vais assister Aurélien sur la réalisation. J'espère que j'ai perdu personne. Déjà en retard, et heureusement qu'on va pas loin, parce que vous pouvez le voir, ça caille. Je pensais vraiment pas que c'était aussi loin en fait. J'ai déjà 10 minutes de retard, je pensais en avoir juste quelques-unes. Mais je voyais pas ça aussi loin. Ouh, je crois que j'y suis, il était temps. Enfin presque. Normalement c'est là. Ça y est, j'ai trouvé. Après, je pensais vraiment que t'habitais plus près que ça. Donc on est donc chez Romain. Et il y a Aurélien. Et Aurélien a amené du matériel. Montre le matériel. Tu feras un bon. Donc moi je ne sais pas ce que je vais faire, mais eux vont tourner une vidéo. On fait vraiment l'envers du décor de Romain, parce que honnêtement quand je regardais ses vidéos, vous voyez que c'était genre un studio, tu vois, un petit studio où il était peinard avec son canapé sous ses photos. Et en fait non, pas du tout. C'est-à-dire que son canapé est là. Et ensuite, ces petites affiches sont là. Donc en fait, le gars, chaque fois qu'il fait une vidéo, il déménage. Je ne voyais absolument pas ça comme ça. Je suis en train de voir. Ça fonctionne, ça? Ça fonctionne, ça? Ouais. Le téléphone fonctionne vraiment. Attention, c'est un vrai, hein, je déconne pas. Il n'y a pas l'électricité, mais...
Il n'y a pas l'électricité, je me disais aussi. Bon, il y a du très très bon éclairage, alors je vais en profiter, j'attends juste qu'il branche. Voilà. Oui. Ah, c'est pas mal là. Bon alors, en fait, visiblement, on est parti sur une grosse vidéo, puisque Aurélien a tout écrit un script, il y a des dialogues, il y a... Grosse production. Grosse production, gros moyen. Ça ressemble à ça. Yeah. Et la pause goûter. Ouais, mais c'est moi, je suis pro. On avance bien. Moi, j'étais du minimateur. On avance bien. Bon, c'est fini, on a fini. Putain, c'est horreur. Non, c'était génial. Fini pour aujourd'hui, messieurs. Fouah. Ah, t'as mis ça dans ta bouche, mec. Non, c'est le C'était donc pour la vidéo d'Aurélien. Je vous mettrai un lien quand elle sera sortie. On peut attendre. Ou pas. Bon, allez. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Ça aura duré un moment, mais franchement, on aura sacrément rigolé. Et la vidéo devrait être très sympa. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien quand elle sera sortie. Maintenant, j'ai plus qu'à rentrer manger parce qu'il fait très très froid. Et il commence à se faire tard. Et j'ai vraiment envie de rentrer.